Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment se faire rembourser des achats dans la boutique. Mais avant toute chose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour le tuto, on va se retrouver dans la boutique, voilà. Donc déjà ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir de choses qui ont été achetées dans la boutique que vous avez depuis un moment. Par exemple, si vous avez acheté cette emote là, bah, quand elle est sortie, eh ben, ça sera malheureusement plus possible pour vous de l'obtenir, à moins que vous alliez dans vos paramètres et que vous fassiez une demande de remboursement pour un objet. Et normalement, vous avez un ticket de remboursement que vous avez obtenu en octobre pour la mise à jour 18.20. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous montrer, par exemple, si vous avez acheté, par exemple, un skin par erreur, ou sans faire exprès, vous avez appuyé sur un objet dans la boutique. Donc par exemple, oh mince, j'ai acheté cet objet. Voilà. Donc là, j'ai l'objet. Et ensuite, juste en bas, juste ici, vous avez annulé l'achat. Donc, vous restez appuyé dessus sur le bouton. Et là, votre achat a été remboursé. Bien sûr, vous ne pourrez pas être remboursé si vous avez acheté l'objet et ensuite que vous avez quitté la page et que vous revenez. Ça, ce n'est pas possible, malheureusement. Ensuite, une fois que vous avez acheté cet objet, quand vous allez rappuyer sur acheter, ça va vous envoyer un message pour vous demander si vous voulez bien acheter cet objet, parce que si vous l'achetez, vous ne pourrez plus vous le faire rembourser. Donc si vous voulez vraiment l'acheter, vous appuyez sur acheter, sinon vous appuyez sur annuler comme moi. Beaucoup de gens m'ont demandé si on pouvait rembourser, donc faire cette technique sur téléphone. Malheureusement, si vous n'avez pas l'icône rembourser, tout comme moi je l'avais, donc si ça vous dit pas, juste en bas à droite dans la boutique. Si vous n'avez pas ce bouton, malheureusement, ce n'est pas possible de faire un remboursement. Ensuite, j'ai une petite partie bonus pour vous. Je vais vous dire comment vous allez pouvoir tester des skins si vous n'êtes pas sûr de les acheter. Je vais m'expliquer. La technique que je vais vous dire ne marche que si vous avez le nombre de V-Bucks suffisant ou alors si c'est en pack. Voilà, si ce n'est pas en pack, par exemple, si c'est ce skin, vous ne pouvez malheureusement pas le tester et je suis désolé pour vous. Par contre, si c'est dans un pack, eh bien c'est votre jour de chance. Parce que par exemple, imaginons, moi, je ne sais pas trop si j'ai envie d'acheter ce skin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. Comment le tester? Eh bien c'est simple. Si vous avez le bon nombre de V-Bucks, donc par exemple 1500 pour ce skin, vous achetez cet objet. Voilà, donc moi j'ai l'objet maintenant. Ensuite, vous avez toujours la petite icône en bas qui est juste à droite qui vous demande si vous voulez annuler l'achat. Moi, je vais faire retour. Ensuite, je vais aller sur le pack qui est là. Et là, je vais faire par exemple acheter le pack. Ok, j'ai tout le pack. Et là, je vais faire annuler l'achat. Le bouton qui est juste en bas, juste là. Et là, vous vous faites rembourser l'intégralité du pack. Et vous avez pu tester le skin car vous l'aviez dans votre casier. Par contre, si vous avez par exemple acheté le skin une fois, si par exemple avant que le skin Batman Kiri, vous l'avez acheté avant, par exemple, il y a un mois quand il est sorti. Bon, je vous dis une bêtise parce qu'il n'est pas sorti il y a un mois, c'est la première fois qu'il sort dans la boutique. Mais on peut prendre l'exemple sur plein d'autres packs. Eh bien, si vous l'achetez, si vous l'avez acheté il y a un mois et que vous voulez vous le faire rembourser, cette technique ne marche pas. Vous allez pouvoir vous faire rembourser le pack. Mais pas le skin. Ça va vous marquer comme quoi vous avez bien été remboursé du pack,
Mais par contre, vous aurez toujours votre skin dans votre casier, ainsi que le sac à dos ou le cosmétique. Donc bien sûr, ceci marche pour tous les pioches qui sont en pack. Si votre skin, pioche, etc., votre cosmétique n'est pas en pack comme celui-là, vous ne pourrez pas faire la technique. Parce que vous ne pourrez pas rembourser le pack. Et du coup, ça marche avec tout. Des sacs à dos, des pioches, des revêtements s'il y en a. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu vous aider là-dessus. Et j'espère que vous avez pu tester et que vous pourrez tester les cosmétiques dont vous avez envie et vous faire rembourser. C'est pas vraiment une technique de remboursement, la première solution que j'ai proposée, mais moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'acheter le skin Ross dans la boutique et je ne connaissais pas cette technique et je n'ai jamais pu le rembourser. Ça fait que j'ai acheté ce skin dans la boutique, si j'arrive à le retrouver. Et vu que je ne savais pas, j'ai quitté la page, j'ai regardé une vidéo et j'ai su comment on faisait. Il y a déjà une personne qui avait fait une vidéo sur ce sujet. J'ai voulu reprendre en un peu mieux parce que c'était un peu mal expliqué. Et j'avais déjà moi-même fait une vidéo, mais j'ai voulu compléter les choses que je n'avais pas dites et des choses, des questions qu'on m'avait posées. Donc j'espère que je vous ai vraiment aidé et à la prochaine. Ciao! N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu des familles si la vidéo t'a plu.